Previously on The Walking Dead. I know who you are. I got another good one for you. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. And you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug. You got it, boss. Son of a bitch. One of them is bitten. We reason with him. With the bloody end of an axe handle, maybe. Nobody threatens my boy. Oh, God. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Salut tout le monde, c'est Corinne Harver et on se retrouve aujourd'hui sur The Walking Dead pour continuer notre aventure sur cette saison 1 du jeu. Alors j'espère que cette cinématique vous a mis dans l'ambiance pour préparer ce qu'on va découvrir maintenant et j'espère que vous êtes intéressés par l'histoire, que vous avez envie de savoir ce qui va se passer dans l'épisode 2. Alors la dernière fois, on avait vu un petit extrait de ce qui allait se passer à la fin de l'épisode 1. On nous avait montré quelques images comme quoi il y allait avoir des tensions entre les personnages. Donc ça a l'air d'être assez intéressant. J'espère que cet épisode 2 va être aussi bon, voire meilleur que l'épisode 1. Mais je n'en doute pas, puisque à mon avis c'est un jeu qui va aller crescendo. Ça va être de mieux en mieux. Donc voilà, déjà l'épisode 1 était très bon. Je l'ai trouvé très intéressant. J'espère que vous aussi. Et donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir parce que je vais pas tout vous résumer, il s'est passé beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à aller voir les premières vidéos pour bien comprendre toute l'histoire, vu que c'est une histoire assez complexe quand même. Donc voilà, il faut bien s'imprégner de tout ça, mais bon, grâce à ce résumé, vous avez pu voir pas mal de choses déjà. Et donc, on va maintenant se lancer dans l'épisode 2. Alors, pourquoi il y a ce petit bouton rembobiné ici? Tout simplement parce que j'ai lancé l'épisode 2 une première fois, mais j'ai eu un petit problème, donc il a fallu que je vous refasse la vidéo. Mais ne vous en faites pas, j'ai vu que quelques secondes du début du jeu, donc on va les voir ensemble, c'est à ça que sert ce bouton. Voilà, du coup, la cinématique que vous venez de voir, en fait, normalement se lance quand on lance l'épisode 2, mais bon. Tout est rentré dans l'ordre, vous avez tout vu, ne vous en faites pas, je vous montre tout du jeu. Donc on lance le jeu, c'est parti, et on se retrouve après la première cinématique. Oui, c'est parti. What'd they get this time? Looks like a rabbit. Well, that's another meal lost. I still can't believe we went through all that commissary food in 3 months. It seemed like so much at the time. Maybe you shouldn't have opened the door. Yeah, except then I'd probably be food by now. Trust me, I have no regrets. Rabbit's hardly a meal, Mark, but I'd take it. We're all hungry. No kidding. When I accidentally grabbed for Carly's rations the other night, I thought she was gonna take off my hand. We're all on edge. Just cut us some slack. Yeah, you're right. I wish I knew for sure how much food we have left. We'll manage. Maybe. You know, some people aren't too happy about the way Lily's handling rations. Levy knows it's important to keep the adults fed and functioning. Sometimes that means someone's gotta miss a meal. You think Kenny's having any more luck than we are out here? I sure hope so. Yeah, between the lack of food and Kenny and Lily fighting all the time, things are getting pretty tense back at the motor inn. You know, Kenny's been talking about taking off if he can get that RV running. Kenny won't abandon us. He's a good man. I guess we'll see. Can't blame him, though.
Did you hear Larry going off on him last night? What's the old guy's deal, anyway? Seems like he's got a problem with you in particular. He thinks I'm a danger to the group, and Clementine. I think he's the one putting us in danger. The way Lily worries about his health, I wouldn't be surprised if she's been skimming rations for him. And I know Lily thinks he's getting weaker, but the guy's all muscle. He's a walking pile driver. I know I wouldn't want to be stuck in a room with him. And didn't he punch you in the face one time? Knock me flat. Don't. Gunshot'll bring walkers. One bird's not worth it. Yeah, I know. I'm just really frickin' hungry. Shit! Was that Kenny? I don't know. Come on! Jesus Christ. Oh, shit. No, no. Please don't kill us. We just want to help our teacher. We'll leave, I swear. Lee, you guys okay? Get it off. Get it off. God damn it. Get it off me. Travis, maybe they can help. These might be the same guys that raided our camp, and we barely got away from that. What guys? Why the fuck is there a bear trap out here? It's okay. We're not gonna hurt you. Don't listen to them, Ben. Please, just let us go. We're not a threat to you. Kid, chill out. We'll try to help you, but you gotta shut the fuck up. Lee, this is fucked up. We've gotta help us. Please. Ben, shut up. My dad was Special Forces. I know what I'm doing. Just see if you can get him out. After that, you can leave us or whatever. I don't care. Please. We gotta get him out of there. Oh, God, thank you. Fine, but you gotta hurry. Hurry, please, hurry. Lee, this trap's been altered. There's no release latch. Oh no. Shit, walkers! It's now or never, Lee. Please, get me out of this. Mark, get the boys back. Kenny, keep those walkers off of me. This is bad. This is so bad. Lee, do something! Get you out. No, no, no! Try the trap again! Anything, please! Try to cut the chain! Let's go! Let's go! Lee, it has to be now! Oh, God! Shit. Is he... He passed out. If he's alive, grab him and let's go. Behind you! Travis! Come on, come on. We gotta move.
Get the gates open! We've got wounded! Shit! What the hell are they doing? Come on, come on! Oh my god! What happened? What the hell? What's going on? I don't have time to explain. Lee, are you okay? Get him into the truck. I'll see what I can do. Cat, okay? Can you fix him? Jesus, Ken! Lee! I don't know! Lee! What the hell? You can't just be bringing new people here. What are you thinking? Hey, you want to calm down for a fucking hey, minute? Watch no, your mouth. I don't. I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea. He would have died if we left him. So what? We are not responsible for every struggling survivor we come across. We have to focus on our group, right here, right now. Well, hang on. We haven't even talked to these people yet. Maybe they can be helpful. Come on, Lily. These are people. People trying to survive just like us. We've got to stick together to survive. The only reason you're here is because you had food. Enough for all of us. But that food is almost gone. We've got maybe a week's worth left. And I don't suppose you guys are carrying any groceries, are you? No. Fine. You guys fight it out then. Welcome to the family, kid. Come over here and see what I drew. What? No, I... Just come on, okay? You know, you like to think you're the leader of this little group, but we can make our own goddamn decisions. This isn't your own personal dictatorship. Oh, come on, you're being dramatic. Everything always turns into a power struggle between you two. I'm not gonna be a part of that. Hey, I didn't ask to lead this group. Everyone was happy to have me distributing the food when there was enough to go around, but now that it's running out, suddenly I'm a goddamn Nazi. You've got nothing to say about that, Lee? You know, it might feel safe for you to sit on the fence, but sooner or later, you're gonna have to decide whose side you're on. I don't see any of you stepping up to make the hard decisions. My girl's got more balls than all of you combined. Dad, please. Why don't you go help Mark with the wall? You think this is easy for me? Everyone's starting to hate me because I'm the one that rations the food, but nobody else wants to. You know what? I'm not doing it tonight. You do it. There's today's food rations, but there's not enough for everyone. Good luck. Waouh. Bon. Ça, c'est de l'entrée en matière, les amis. Alors, j'avoue que pendant l'introduction de la vidéo que je vous ai faite, j'étais pas encore totalement dans l'ambiance, pardon. Mais alors là, cette cinématique, waouh. Ça replante directement le décor. Alors, on se retrouve 3 mois après, si j'ai bien compris au début, avec un nouveau personnage qui était dans le groupe, apparemment, qui est arrivé là parce qu'il avait la nourriture ou quelque chose d'autre, je sais pas, mais je crois que c'était juste pour la nourriture. Et donc, on a croisé les deux types, là, les trois types même. Non, deux, trois, je sais plus. Trois, je crois. Voilà, et on a dû couper la jambe. Alors, honnêtement, j'ai décidé de couper la jambe directement parce que je me suis dit, à tous les coups, il va falloir le faire quand même si on veut le sauver. Donc, voilà, j'ai essayé d'anticiper un petit peu ce que le jeu allait nous faire faire. J'imagine qu'on aurait été obligé de le faire, honnêtement, pour une cinématique d'introduction. Je vois pas trop comment on aurait pu faire autrement. À part si on l'avait laissé mourir, je sais pas. En tout cas, bref, j'ai choisi de faire ça. J'avoue que c'était un petit peu dégueu. Mais ça nous met dans l'ambiance, hein. Écoutez, c'est aussi ça, The Walking Dead. C'est des choix très difficiles et des scènes assez dures à vivre. Donc, voilà, l'autre s'est fait manger. Enfin, s'est fait, mordre pour l'instant, mais maintenant, il est mangé, je pense. Donc voilà, comment dire, ça nous met un peu mal à l'aise dès le début et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime dans The Walking Dead. Donc honnêtement, une très bonne mise en bouche, j'ai envie de dire. Et donc maintenant, on a 4 morceaux de nourriture à donner. Alors
J'ai pas encore fait trop mon choix, on va essayer de parler un petit peu à tout le monde, j'imagine qu'on peut leur parler juste et ensuite décider à qui on donne la nourriture. Mais voilà, il y a des tensions, apparemment c'est Lily qui a pris un petit peu le commandement des opérations, puisque personne voulait se charger de faire un rationnement, donc voilà, c'est une bonne chose, apparemment elle le fait pas si mal que ça. Mais bien sûr, ça pose des problèmes à Kenny qui veut, lui, pas être sous sa dictature, etc. Donc bon, c'est normal, ça crée des tensions, je comprends tout à fait, mais voilà, il va falloir un peu se calmer. Alors, j'ai pas parlé pendant la discussion, tout simplement parce que, ouais, j'ai voulu rester neutre encore un peu. Alors bien sûr, je sais que il va falloir quand même prendre des décisions à un moment, mais voilà, c'est vrai que j'ai un peu du mal pour l'instant, et vu que c'est le début, j'ai essayé de pas trop faire d'embrouille directement, parce que je suis sûr que si on se met avec d'un côté, eh bien, ça y est, c'est fini pour l'autre côté, etc. Donc, j'essaie de faire attention à tout ça, mais bon, après... on n'est pas à l'abri d'une mauvaise décision avec moi, ne vous en faites pas. Bon bref, donc on va aller parler un petit peu à tout le monde maintenant qu'on est bien rentré dans l'histoire. Et on va d'abord commencer par Katia, qui est ici. Alors j'imagine qu'elle soigne tout le monde, voilà, elle est en train de soigner la jambe, c'est absolument dégueulasse. C'est absolument dégueulasse, donc on va y parler. Okay? I don't know. Can you give me a hand real quick? Sure. What do you need? Just apply some pressure here while I try to close this up. You know, I thought I was starting to get used to this, sewing up people's injuries. But I mean, cuts and bruises are one thing, but Lee, this man has no leg. I did the right thing. Yeah, I know you did. The right thing is just scary sometimes, I guess. Well, you've done all you can, Lee. Thanks for the help. Go ahead and check in on the others. I need a little space here anyway. Ok. Bon alors oui, on dit qu'on a fait la bonne chose pour se rassurer, mais voilà, ça doit être terrible mentalement, hein. Je sais même pas trop comment je réagirais à tout ça, mais ça doit être vachement dur. Bon alors, allons vers là. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Il y a des canettes. Ok, tout est vide. Il y a plus grand chose. Regardez la barrière. It keeps the walkers out. Carly's been doing the bulk of the lookout duty. Ok. Will you hold the damn board steady? I'm trying. I didn't realize I was getting this weak already. What do you want? A handout? Oh, I got 60 cents in my pocket. If you'll shut up and quit being such a pansy. Ok. Alors, le nouveau personnage, c'est Mark, apparemment. Donc, je sais pas trop s'il est gentil ou pas. Il a l'air... Bah, je sais pas. Il a pas l'air méchant, mais en même temps... Vous savez, au début de la cinématique, il a déjà commencé à juger un peu les gens et tout, donc peut-être qu'il fait des décisions un peu hâtives, je sais pas, on verra bien. Donc je pense qu'on va commencer par Mark et ensuite Larry, parce que Larry... comment dire... Notre relation avec lui n'est pas super bonne. Hey, you holding up okay, Lee? I was pretty fucked up back there, having to cut that guy's leg off. Yeah, I just hope Katja can save him. Non, pour l'instant on donne pas de nourriture, on va parler à tout le monde avant. Ok, donc il vient de l'Air Force, très bien. On va un peu parler avec lui, voir ce qu'il en est. Air Force base? I mean, this wall isn't exactly military standard. No way I'm going back there. You saw what it was like when you guys picked me up. Completely overrun. D'accord, très bien. Lily's pretty pissed at us. Listen, I know her intentions are good, but... But nothing! She's making the smart choice. Those parasites you guys brought back need to go. Mais calme-toi. Quelle violence dans ce type. Nope. Actually, we could use your axe. Do you mind if we take it? Yeah, give us that thing for a bit. Aha. La solution la plus raisonnable pour l'instant dans cette situation serait de la donner à Mark. Mais j'imagine que si on fait ça, Larry va encore plus nous détester. Par contre, s'il la donne à Larry, Larry va peut-être faire de la... Hein, peut-être faire de la merde avec. Donc, je ne sais pas. On va la donner à Mark. Larry va nous étriper, mais on va la donner à Mark. Quoique, après tout... Bon, non. Here, Mark, on va faire attention. Thanks. Hey, I'm the one doing all the work over here. You didn't think to give me the axe? Come on, Larry, give it a rest. I'm sure Lee is getting pretty sick of you thinking he's a danger to the group. Is that what you told him?
That's not what I meant. No? Then what did you mean? All right, let's take a step back. Maybe you two should keep your distance. Fine with me. Il sait pas quoi dire l'autre. Ouais, donc quand j'ai dit ça, je voulais pas dire que comment dire, qu'il s'en foutait de moi et qu'il voulait à tout prix que je dégage, quoi, en fait. Je voulais plutôt dire qu'il faisait attention et qu'il essayait de faire tout son possible pour protéger sa fille. Et en fait, ouais, j'aurais pu prendre la solution d'en dessous, mais bon, écoutez, c'est trop tard maintenant. Donc j'imagine que de toute façon, si on parle à Larry maintenant, ça va faire la même discussion. Donc pour l'instant, on va pas leur donner de nourriture. Hop, on va regarder le ballon. Pourquoi pas, après tout. Voilà, super. Hyper intéressant. Wow. How you doing, Clementine? Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Do you really need it? My dad gave it to me for my birthday. I promise. If I find it, I'll let you know. Thank you. Okay, Clem. I've got to take care of some things. Why don't you go back to playing with Duck for a while? Okay. On peut pas lui donner à elle la nourriture, parce que je pense que on va donner une nourriture à Clémentine. Ça me paraît un peu évident. Et puis ensuite on va voir. Alors on va parler au nouveau type. De toute façon, je pense que. I don't know, but Kaja will do her best. I promise. I can't believe you chopped off his leg. There was no other way. Voilà, je voulais dire, je pense que aujourd'hui on va parler un petit peu avec tout le monde, donner la nourriture et on va pas aller beaucoup plus loin puisqu'on est déjà à 20 minutes d'épisode, mais voilà, c'est histoire de se refaire un petit peu la main, de redécouvrir tous les personnages, voir comment ils ont évolué un peu, parce que 3 mois, il peut se passer des choses en 3 mois. Donc voilà, alors pour l'instant, pas de nourriture. Alors parle-moi un peu de toi. Our group's gonna wanna know. I'm Ben. Ben Paul. The man you saved is Mr. Parker, the band director at my school. We all came down from Stone Mountain for the playoffs when everything happened. How you holding up, kid? I keep wondering if I could have done something to help, you know? Some kind of, I don't know, something. I don't know either. It's killing me. Relax. We'll get your friend back to normal in no time. I sure hope so. Il est terriblement déçu, quoi. Bon, on va parler à Carly. Alors Carly, elle a l'air encore assez sûre... Enfin, sûre d'elle, non. Elle a pas l'air trop sûre d'elle, là, mais... comment dire, elle a l'air assez sereine. Puisqu'elle essaie de pas trop foutre la merde, elle essaie de calmer les gens, donc... bon, j'espère que ça va continuer. Sleeping any better? No. I know we should be grateful for beds, but no, I'm not. Drugstore? Yeah. Lily has me handing out the food. Ugh, that can't be an easy job. It's not. I won't be able to feed everyone. What should I do? Well, if you wanted to get in good with Lily, I'd make sure Larry gets some food, even though that guy can be a real dick sometimes. On the other hand, giving that food to Kenny and his family might make him remember you, if he decides to take off in that RV one day. What about you? You need food too. We all need food. I can't tell you what to do, but whatever happens, I know you'll be trying to do the right thing. Thanks, Carly. Back in a bit. Okay. Très intéressant ce qu'elle m'a dit là. Ouais. Très très intéressant. Ça signifie qu'il va falloir peut-être... J'ai 4 morceaux. Bon, après j'ai 4 morceaux quand même, donc je peux en donner un à Kenny, enfin à la famille de Kenny. En donner un à Clémentine, en donner un à Larry pour qu'il se calme un peu avec nous. Ouais, je pense qu'on va faire un truc comme ça. Alors on va parler à Clémentine. Avec l'accent. Et oui. bah non, je crois qu'elle l'a plus. Bon, on va lui demander, mais... That thing doesn't work anymore, does it? No, not since it broke at the drugstore. Just gonna hold on to it then? Yeah, if that's okay. I need it. It's okay, hon.
You said they'd find us. I know, I did. And until then... Look, Clementine. I'm not stupid, Lee. I know it's just pretend. But it makes me feel better. Okay, you take good care of it then. I will. Wow. Elle est cool. Franchement, Clementine, bon, on se doute un peu que ça va être un des personnages les plus importants de l'histoire, mais elle est très intelligente déjà, c'est cool. C'est très cool. Alors, est-ce qu'elle va bien? Clementine, everything all right? Yeah. Is that man going to be okay? I'm not sure. I hope he will. I'm so hungry, Lee. I hope I get to eat soon. Ouais, et bah écoute, je vais t'en donner. Alors attends, comment on fait? Mince, hop, voilà. Here, Clem, you need something to eat. Alors, une moitié de pomme, un morceau de bœuf, des crackers et du fromage. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que ça change vraiment grand-chose, franchement? On va lui donner une moitié de pomme. Une moitié de pomme, ça paraît très bien. I love apples. Thank you. Are there more? No, honey. That was the last one. Oh. Enjoy it. You deserve it. Ouais. Allez, tu le mérites. Très bien. Donc, maintenant qu'on a donné ça, on va aller voir Kenny au fond là-bas. Hop. Et ensuite, on décidera à qui donner tout ça. Word's getting out that you want to leave the motor in. That ain't no secret, Lee. It's probably our best bet. I'm not sure that's the best idea. You gave Glenn your blessing when he left. Just asking you respect my choice as well. Yeah, but he was leaving to find his friends. Your family's right here. Well, here isn't doing us any good. You should think about coming with us, you and Clem. Alors, ça va être très important. En gros, peut-être qu'il va falloir choisir de séparer d'une partie du groupe. Je sais pas qui Kenny compte emmener avec lui, mais je pense que ça me paraît être une bonne idée de bouger, puisque vous savez bien, enfin pour ceux qui suivent The Walking Dead, la série et tout ça, c'est jamais une très bonne idée de rester toujours au même endroit. ça crée toujours des problèmes, je trouve, donc... Bon, on va dire que c'est une bonne idée pour le moment. J'espère que j'aurai fait le bon choix, mais on va dire que c'est une bonne idée. Coast does sound like a smart idea. Maybe that is the best thing. I know that it is. I'm taking my family. Ok, par contre, s'il part tout seul, je suis bien deg. Alors, on va faire demi-tour. Je crois qu'on a parlé un peu à tout le monde. On peut peut-être parler à Doug vite fait, voir ce qu'il a à dire. You were pretty brave when we brought those people in here. That's because I know Mom can fix him. How you doing, Doug? I'm okay. Me and Clementine are coloring. Guess what it is? I don't know. A dog? Nope. Oh, I know. It's a goat, right? No. Ha ha ha! Sont trop talentis. Bye Lee. Tu me diras, c'est quoi son truc là, c'est un tigre? Je ne sais pas. Bon, je crois qu'on a parlé à tout le monde, donc on va donner un truc à Larry pour qu'il se calme un petit peu. Here, Larry. On va lui donner un morceau de bœuf parce que voilà, on est dans les clichés. Et donc, il a besoin de bœuf. Oh man, just seeing the food is driving me crazy. Ah, donc lui il va être deck bientôt. Alors pour l'instant, je suis pas trop attaché à lui, malheureusement. Alors c'est sans doute parce qu'on l'a pas encore trop vu en action et tout ça. On a vécu que quelques instants avec lui pour l'instant. Donc voilà. Alors pour l'instant, Katia, je pense pas que je vais lui en donner. Il me reste deux morceaux. Alors, j'ai donné un à Clementine, avec l'accent. J'en ai donné un à Larry. Hop. Voilà. Et on va en donner un à Kenny, je pense. Want something comme to ça. Eat? Here, ouais, Kenny, il a clairement envie. Take this. How about my boy? He eat yet? No. Come talk to me once my boy's taken care of. Ah, ok. Ok, ok. D'accord, très bien. Bah écoute, je veux bien, hein. Et Carly, est-ce qu'elle en veut vraiment? Want something to eat?
Ils ont tous trop envie, leur regard, c'est hyper bien fait. Attends, 2 secondes, je reviens. Hein, calme-toi. Elle est trop deg, elle est trop deg. Bon, écoutez, il m'en reste 2. Alors, je pense que je vais en donner un à Carly. En fait, parce que Carly, elle a l'air cool. Mince, comment on fait? Hop, comme ça. Want something voilà. To eat? Hop. Me? How about you? You look like crap, Lee. When was the last time you ate? I'm okay. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. I know I said it didn't matter why you saved me instead of Doug, but... You don't owe me anything, Carly. D'accord, donc on peut même pas leur donner à ceux qui... D'accord. Finalement, si ça se trouve, on est obligé de donner à ceux qui veulent qu'on donne. Enfin, ça veut rien dire ce que je dis, mais... bon. Ah, il a trop envie de lui aussi. Yeah. Allez, tiens. Oh man, I'm so hungry. Voilà, comme ça, sa famille est contente. C'est cool, et il en reste plus qu'un. Ah, et je pense qu'on va faire de l'altruisme. Quoique, il reste qui, là? Ouais, je pense qu'on va, on va faire de l'altruisme. Voilà, alors par contre, j'ai pas vu Lily. Ah, elle est ici. Très bien, donc je pense qu'on va en donner un à Lily, si on peut. Voilà, j'aimerais bien la voir. Hop, parfait. Alors, il faut déjà qu'on lui parle un petit peu. Think about leaving the motel. God, not you too. I know Kenny wants to leave. I think that's why he's so eager to get the RV working. But this is a good spot. We're protected, we're close to the drugstore, we have a routine now and it's working. For now. Exactement. We should talk about you and Kenny. What about us? They're arguing. It's getting pretty out of hand. You know people notice that. Look, I'm working my ass off to make sure we have a good setup here, and Kenny just doesn't appreciate that. All we need is food. But there is no food. You know that better than anyone. Well, we'll just have to find some. Here. I don't want anything from you. Take it anyway. You need to eat. This doesn't change anything. Well, that's it. Not such an easy job, is it? I don't envy you. I don't know how you have the strength to do this every day. I don't have a choice. Lee. Kenny, I know I ran out of food before- Hey, it was a tough choice. But you took care of the kids. That's what a real man does. I'm serious about that offer to come with us. You've more than earned a ride on the RV with me. Still, I guess some people aren't going to be happy with your choices. Ken! Lee! Come here, please. He didn't make it, did he? He lost too much blood. God damn it. I'm getting sick of this shit. Ken, come back. There's nothing... Let him go, Kaja. But... He just needs time. It's been a rough morning. That man you brought, I tried. But he was never going to survive. Well, at least he's not our problem anymore. What about the other kid? Whoa! Ok, il faut faire quoi? What the fuck? Waouh, bon, on est mort les amis. j'allais vous dire qu'on allait se quitter après ça, mais là, c'est un peu la merde. Allez, lâche-la. Alors par contre, je sais pas ce qu'il faut faire après. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire après. Ah ok, d'accord. Allez, prends ça. Ah!
Shoot it! You okay? Yeah, thanks. Why'd you bring him here in the first place, asshole? Dad, calm down. You're gonna get us all killed! Why didn't you tell us he was bitten? What? He was bitten, and you didn't say a goddamn word! But he wasn't bitten, I swear! Well, your not-bitten friend here came back to life and tried to kill my wife! What?! Wait, you all don't know? What the hell are you talking about? It's not the bite that does it. You come back no matter how you die. If you don't destroy the brain, that's just what happens. It's gonna happen to all of us. We're all infected? Everyone? I guess so. I don't know. All I know is that I've seen people turn who I know were never bitten. When I first saw it happen, we were all hiding out in a gym, and everybody thought we were finally safe. But one of the girls, Jenny Pitcher, I think, I guess she couldn't take it. She took some pills. A lot of them. Someone went in the girls' room the next morning, and... God. Back off! Whoa, lady, relax. Me and my brother, we just want to know if y'all can help us out. I said back off! Carly. We don't want any trouble. Of course, neither do we. I'm Andy St. John. This here's my brother Dan. We're just out looking for gasoline. Looks like you folks got the motel locked down, which is fine, but if you could spare any gas, well, we'd be much obliged. Why do you need gas? Our place is protected by an electric fence. Generators provide the electricity. Our generators run on gas. Look, we own a dairy farm a few miles up the road. If y'all be willing to lower your guns, we can talk about some kind of trade. How y'all doing on food? We got plenty at the dairy. Lee, why don't you and Mark check the place out, see if it's legit? I'm going with you. I got your back if anything seems fishy. So, what are y'all thinking? You've got a deal. We'll bring some gas to your dairy. In exchange, you give us some food to bring back. We'll see how it goes from there. Sounds fair. A couple gallons should power one of our generators for a while. So, this dairy, you guys really have food? Sure do. We lost most of the cattle, but we still have lots of milk, butter, and cheese stocked up. And with the vegetables we grow, we got plenty of food. It's nice to get away from that motel for a while. This Lily Kenny thing is starting to get ridiculous. Personally, I'd be happier if you started to take charge more. You think they'd want me for a leader? Sure. Everybody looks up to you. Well, not everyone thinks I'm so trustworthy. Because of your past. Does anyone else know? Larry knows. Great. That can't be easy. Clementine knows. She was there when we were talking in the drugstore and asked me about it. I couldn't lie to her. What exactly did happen with the senator? You know what happened. I only know what the press was told. I don't know your story. Sometimes I wonder if I should talk to the group about it. You don't have to. Whatever happened before things went to hell doesn't matter anymore. Not sure everyone would see it that way. Maybe you're right. Listen, over the years, I've reported on some pretty messed up shit. I've seen situations like yours 100 times. It doesn't have to make you a bad man. I really appreciate that. I mean, thank God Lee showed up when he did. Right, Lee? Yeah, why don't you tell us a little more about yourself, Lee? Where are you from? I grew up in Macon. Right here in the heart of Georgia. That's what I like to hear. Y'all seem pretty settled in at that motor inn. Who's running things over there? How many people you got over there anyway?
Enough to defend ourselves. Well, that's good. It's getting dangerous out there. Well, you guys know. Well, we'd love to get you all out to the dairy. Like I said, we got plenty of food, and quite frankly, we could always use an extra helping hand. In the summers, I used to help out on a goat farm. Yeah, that's great. Everything helps. Mama's been running the dairy for, well, as long as I can remember, but now it's... You getting... think you're going to cut me out of this? Shit, get down. No one's trying to cut you out of anything. You and Gary are always fucking pulling this shit. Bandits. Who? Those look like the people who raided my camp. Who are they? Shh. Fuck you. Fucking you knew we were hungry. And you guys were keeping it there's all only two. Oh no, there's yeah, a lot yeah, you know what? We ate them. It all. What are you gonna fucking do about it? Don't worry. Danny and I got you covered if something happens. But let's just wait this out and hope they move on. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Jesus! Asshole. The world out here has gone to shit. Come on, let's get to the dairy where it's safe. Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est sur cet épisode, donc je suis désolé de couper la cinématique, mais sinon ça va s'éterniser. Donc voilà, je préfère qu'on s'arrête là et qu'on découvre la ferme la prochaine fois. Voilà, j'aurais dû m'arrêter juste avant qu'on donne les dernières rations, mais bon, écoutez, je pouvais pas prévoir que ça allait se passer comme ça. Donc on découvre plein de personnes, il y a beaucoup de nouveaux personnages, les relations sont encore assez complexes à définir, je pense que on va en savoir un petit peu plus sur ces nouveaux gars là qui nous demandent comme ça de l'essence, on sait pas trop pourquoi, je pense qu'ils sont pas très cool ces gens là, donc il va falloir s'en méfier. Je pense aussi que Marc, il va falloir s'intéresser à lui, parce qu'il avait l'air assez deg qu'on lui ait pas donné de nourriture, et vu que pour l'instant il est assez mystérieux comme type, bah voilà, faudra qu'on voit un petit peu comment il se débrouille dans le groupe. Et puis, bah voilà, pour le choix des rations, je pense que c'était pas trop mal. Après, je sais même pas si on avait le choix, puisque ceux à qui on voulait donner, des fois ils disaient non, et du coup on était obligé de se rabattre vers les autres. Enfin bon, voilà, de toute façon je pense que c'était pas non plus un truc ultra important. Le but c'était juste voilà, de nous faire comprendre que le contexte était assez difficile, qu'il y avait plus trop de nourriture, et que c'est pour ça qu'il va falloir aller à la ferme pour essayer de voir s'ils peuvent pas nous en donner un peu. Alors je sais que c'est risqué, mais écoutez, je pense aussi que c'est pas mal si jamais on arrive à s'en tirer avec quelque chose, et puis bon, ça donne un peu de suspense, c'est cool. Moi j'aime bien en tout cas. Ce début d'épisode me hype beaucoup pour la suite, j'espère vraiment que ça vous plaît aussi. Voilà, donc on se retrouvera la prochaine fois pour un nouvel épisode. J'espère que ce long épisode de presque 45 minutes ne vous aura pas trop dérangé, hein. J'espère que ça vous aura été que ce soit aussi long. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode sur l'épisode 2 de cette saison 1. J'espère que ça vous a plu et que ça vous plaira. Moi je suis très impatient de voir la suite et j'espère que vous aussi. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao tout le monde !